Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 pour notre série 100% New Land pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, vidéo moisson. Je vais vous présenter d'abord l'ensemble. Là, on est sur le dernier champ, mais vous verrez, j'ai fait un accéléré pour vous. Donc, on est sur le dernier champ, c'est du colza. Hein, vous verrez bien, vous verrez de toute façon dans la vidéo. J'ai fait les trois champs en vidéo en off, donc vous aurez. L'accéléré du off que j'ai fait. Donc on est avec le T7 280 280 les chevaux. On est avec la benne Josquin 2 essieux qui est sur le mode hub. Je vous mettrai le lien sur le site de la Josquin sur le mode hub. Nous avons donc la classe la Newland CR990 et non la CR980. Celle-ci, je ne sais pas si c'est celle qui vient du mode hub ou qui vient d'un autre site, parce que j'étais chargé, il y avait deux versions. Donc celle-ci, je vous la mettrai pas, je vous mettrai pas sur le site, hein, je vous mettrai pas voilà, sur le site ou le lien où je l'ai mis, parce que je ne sais pas si c'est la bonne ou la bonne ou la bonne version ou pas, si c'est la bonne moissonneuse ou pas, qui est sur le mode up ou pas. Par contre, ça c'est sûr, c'est sur le mode up, c'est la barre de coupe repliable. Elle fait 7 mètres et des bananes. Oui, 7 mètres et des bananes, ça fait beaucoup. Non, je rigole. Donc voilà. Donc, avant qu'on continue cette vidéo, d'accord, qu'on fasse ce truc, je vais vous laisser avec ce petit accéléré du off de ce que j'ai fait en vidéo. D'accord, du D3 champ. Donc et donc on revient tout de suite après. Donc je vous dis à tout de suite.
heureux. Donc, comme vous avez vu sur le off, j'ai fait les trois champs. Du coup, on va partir, si ça veut bien, dans la moissonneuse. D'accord. Voilà. Tiens. On va aller faire le champ qui est à côté, qui est le nôtre aussi. Parfois. Est-ce que j'y passe? Voilà. On va faire le détourage. Alors comme j'ai déjà fait du. Quand j'ai fait bien le champ. Alors attendez. Alors comme vous voyez, il me restait encore du colza dans ce. Dans la moissonneuse, j'ai pas tout vidé parce que la remorque elle fait 28 tonnes, donc j'ai pas pu tout mettre, hein. Donc du coup, comme c'est un champ de colza, et ben on va remplir la trémie avec le peu qu'il y a dans la trémie. Voilà. Hop. Ah, on va faire ça. Je vais me remettre bien comme il faut. J'espère que vous allez bien. Et voilà comment elle se remplit. Aussi à vous dire, donc comme j'avais racheté, comme on va faire les moutons, etc. Donc j'ai acheté terrain, mais j'ai pas pu vendre les deux terrains. Mais on ne touche pas les deux terrains des moutons là-bas, des cochons. Mais comme j'ai acheté la ferme des moutons, donc j'ai acheté pas mal de matos. Alors vous verrez bien dans la vidéo. J'espère que vous m'entendez bien avec la machine. Donc voilà. Alors, il me met ce message, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Mais elle est bien faite, cette petite moissonneuse. J'ai dit, tiens, une 980, une 990, sur effet 17, j'en avais une. J'ai dit, pourquoi pas. Donc voilà. Donc, il y a pas mal de rendement. Donc j'ai acheté pas mal de matos, donc vous verrez, en plus du matos qu'on a, que vous avez déjà vu, j'ai acheté un violon, donc tout le foin, alors maintenant c'est de l'herbe enrubannée, hein, mais tout le foin qu'on avait en botte, je l'ai rangé. D'accord, j'ai acheté pas mal de matos, vous verrez bien, il y a une bétaillère, je peux vous dire, une tonne à eau. Alors désolé des bruits, je sais pas ce qu'elle va me dire, mais du coup, elle me dit speed, un truc comme ça, mais voilà. Alors, non, je vais pas pouvoir passer. Je vais le faire en vue intérieure parce que comme elle fait beaucoup de bruit. Désolé, petit coup de lag. Donc j'ai acheté pas mal de matos. Vous verrez dans le prochain épisode, c'est vrai que je vais le faire tout de suite après du plateau. Vous verrez, voilà, j'ai acheté aussi un plateau. Pas mal de trucs. Est-ce que j'aurai assez pour aller là-bas? À mon avis, non. On va voir. J'ai assez, c'est bon. Si j'ai pas assez, le tracteur viendra. Sinon, ben, je viendrai avec la moissonneuse. Donc là, elle me dit il y a des bruits. Alors, donc,
Là, on va me dire que je suis bientôt plein. Alors j'ai pas testé, hein, j'ai pas vu qu'il y avait des sons comme ça. Je la replie. Oui, je la replie parce que c'est pour passer. Et aussi, je vous ferai une vidéo sur Pro Driver. Oui, j'avais dit non si les tests n'étaient pas concluants. Oui, si les tests étaient concluants. Chose, vous verrez bien dans la vidéo. Alors là, elle me fait un bruit comme quoi je vide. Pas mal de rendement. On va regarder à combien on est de vidéos le temps que ça vide. On est à 8 minutes de vidéo. Ça va, c'est nickel. Peut-être qu'on finira le champ. Moi, bon, je rangerai peut-être le matériel, je finirai le champ, on verra comment ça se passe au bout de 15 minutes. Et je ferai tout de suite l'autre vidéo pour ben, la vente dans Albany. Oui, vous serez. Alors, oui, plie-toi, ça serait cool. Cool, ça serait cool que tu te plies. Hop. Bon, ça serait cool. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Ouais, quand même pas mal de rendement. Hein. Alors, elle me dit un bruit. Je sais pas pourquoi elle fait ce bruit là. On verra bien. Ah c'est bien, en plus j'ai une jauge de trémie et j'ai le compteur de la trémie. Ça c'est cool. C'est une bonne moissonneuse. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, hein, on va gagner de l'argent. Donc j'étais dans le négatif, hein, parce que j'étais dans le négatif, hein, comme bah, faire avancer les cultures avec le mode saison. Donc voilà, donc ça c'est la 8e vidéo. La 8e vidéo. Il faut que je fasse des manœuvres, hein, parce que c'est court, il y a le chemin. Et il faut que j'aille faire des allers-retours. Alors désolé hein, pour ces bruits hein, mais je peux pas me mettre en extérieur, je pense pas que vous m'entendrez beaucoup. Je verrai de toute façon dans la capture, je regarderai un peu la vidéo en entière, comme je vais faire deux cuts au début et à la fin. La 8e vidéo, vous aurez la vente de Rambiani. Et si on a le temps, peut-être qu'on vous montre à la ferme. Je vous la montrerai dans la dernière vidéo, qui sera la 10e et dernière vidéo. Donc voilà. Oui, je suis obligé de vider. Mais comme c'est, il y a beaucoup de rendement. Allez.
pas mal de rendement, pas mal de rendement, pas mal de rendement. Donc voilà. Allez, on va finir le champ. Oula, 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 oula. Voilà. Alors, combien de minutes on est? On est à 12 minutes, mais je pense qu'on va finir le champ, hein, je pense. Hein. Après, on verra bien. Bon, il est long à déplier, la barre de courbe, mais elle est bien. J'ai pris la plus grosse, parce que ça va bien que la machine déjà d'une. Et pour travailler dans les champs, c'est mieux. Elle est très bruyante, hein, je m'en excuse. Hein. Elle est très bruyante au démarrage. Mais au moins, on va gagner de l'argent. Alors il fait un spin, dommage, machin. Je sais pas ce qu'il veut dire. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent ce message en gros. Peut-être que j'aurai assez pour finir le champ. J'aurais pas besoin de faire une autre trémie. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Elle a 1h02, hein, vous voyez sur l'écran à droite. Elle a 1.2, donc elle a 1h02 déjà. 1h20 plutôt. Elle a pas mal d'heures. Hein. Voilà, pas beaucoup d'heures. Hein. C'est pas comme ma moissonneuse. Qu'à 10h hein, sur mon autre partie. On dirait les bruits qu'on entend, on dirait les bruits d'un quand vous allez en vol. Attachez vos ceintures, nous allons bientôt décoller. C'est vrai, c'est un peu ça, hein, si vous écoutez bien. Ouais, je sais pas si en vrai c'est comme ça. Ouais, il me saoule ce message, je m'en excuse, mais de toute façon on l'utilise juste pour cette vidéo. J'utilise juste pour cette vidéo et après on l'utilisera plus, donc elle va être rangée définitivement. Et comme je sais même pas si j'utiliserai pour la partie, on verra bien. Désolé pour les bruits extérieurs depuis tout à l'heure, hein, mais ça souffle chez moi un petit peu, mais bon, pas très grave, hein. Vous l'entendez pas trop, je trouve. Après, si vous êtes vraiment fine des oreilles, oui, on verra bien. Et voilà, vidéo. Voilà. Parti. Là, elle fait pas, à mon avis, quand je prends toute la barre de coupe,
C'est vraiment la... Le problème c'est qu'elle lève pas haut. C'est ça que je reproche. Elle lève pas haut. C'est pas la barre de coupe qui fait ça, c'est la machine. Si vous avez eu l'occasion de la tester, parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie quand même, mais... Elle a quand même bien... Bien. Donc voilà. Allez, on aurait peu besoin de sortir. Bon, on va se mettre là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais ranger en off la moissonneuse, le machin. Je vais vider la benne et tout, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker ou à disliker, ça fait 18 minutes. Avec les queues, ça va faire moins. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, comme j'ai dit. N'hésitez pas sur tout ce qu'il y a dans la description. Oui, voilà, moi en off, voilà, comme je vous ai dit, je vais ranger la moissonneuse, plus je vais vider la remorque, plus ranger le matériel, et on se retrouvera pour l'autre vidéo. Donc, moi je vous dis bye bye pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!